Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve accompagné de la seule et la douce, évidemment, et la sublime Miss Beagle 45. Salut tout le monde! Vas-tu, Sophie? Bon, ça va très bien et toi? Ça va, parce qu'aujourd'hui on va ouvrir ce qui va sortir, hein, la suite de Pokémon EV6.5, évidemment, Fable Nébuleuse. Voilà, ça sort ce vendredi. C'est un des derniers sets, parce que le dernier set qui clôture le DLC, c'est EV7. Après, on va aller sur des Pokémon un peu plus classiques et plus connus. Mais il y a des coffrets exceptionnels dans Fable Nébuleuse, Must Be Girl. Et on va les découvrir tous ensemble, j'ai vraiment hâte. À commencer par le premier coffret, qui est un petit coffret, voilà. C'est le coffret, Scalpreur, avec une AR Scalpreur. Non, c'est... oui, c'est Scalpreur. Oui, oui, c'est ça. Voilà, Scalpion, ainsi que Scalproi. C'est sous évolution en holo Galaxy. On va vous montrer ça à part, vous inquiétez pas. Ça, c'est du coffret. Le Amphinobi avec la SAR, donc une carte alternative qui n'est même pas encore sortie au Japon. On ne sait pas sous quelle forme ils l'auront au Japon. C'est incroyable, elle est magnifique. Ainsi que le coffret Hyporoi. Les derniers coffrets. Oui, qui est magnifique, qui est juste magnifique. On va vraiment tout bien vous montrer en détail. Les derniers coffrets aussi beaux qu'on a eu avec des aussi belles alternatives, ça commence à dater parce que c'est les coffrets Pyroli, Voltali et Aquali en VMAX alternatif. Hein. C'est les derniers coffrets qu'on a eu avec des alternatives dedans. Donc, c'est très belle aussi. Voilà pourquoi Fable Nébuleuse, il faut coffrer ces coffrets-là parce qu'ils sont fabuleux. Et je pense que ça va prendre de la cote, hein, très honnêtement. On se retrouve pour vous présenter les trois cartes promo. Sophie, je te laisse présenter évidemment un petit tour rapide. C'est une AR déjà. Scalpereur, du coup. Scalpereur, tu t'en penses quoi, toi? Je la trouve très belle. Ouais, non, mais elles sont très belles, les cartes. Hein. Je la trouve magnifique. Le seul moyen de les avoir, je le rappelle, c'est de l'avoir dans ces coffrets-là. Hein. Vous ne pouvez pas les avoir à part. Attention, je pense que c'est des coffrets qui vont partir très très vite. Donc du coup, Scalpion. Scalpion, la Pokémon de base, voilà. Son niveau 1, donc sa première évolution, qui est très jolie en Galaxy Cosmos. Et Scalproi. On voit bien en plus. Non, franchement, ces Olola, c'est littéralement les meilleurs. On a eu un art set littéralement dans le coffret Scalpreur. Donc, c'est très très bien. Voilà. Le seul qu'on connaît, c'est Fortissimia. Parce qu'il est vachement joué. Parce qu'il est énormément joué. Et nous, on joue, hein, évidemment. On fait les championnats et tout. Donc, Fortissimia, très joué. Les autres, bah, on va les découvrir. Voilà, on va découvrir tout ça. On est parti avec le premier des 4 boosters. On n'a pas fait de tri, il n'y a plus de tri à faire étant donné que maintenant il y a des nouvelles énergies qu'on va découvrir tous ensemble, je l'espère. Chelours. Sepiatop. Elle est belle sa carte. Ouais, elle est mignonne. Hein. Soporifique, toujours mignonne. Ça va, classique. Oh, ça va, classique, t'abuses. Oh, Nymphalie. Nymphalie qui est très mignonne. Ça y est, on commence à avoir toutes les évolutions. Hein. Megabot. Megavolt, qui a une très belle AR d'ailleurs, qui va venir dans EV7. Et une très belle SAR aussi. C'est Pietros, du coup. Ah, les premières rivers, je crois. Oui. Démolos. Ah, alors attends. On va vous montrer, parce que évidemment, il y a de la nouveauté. Regardez-moi les nouvelles rivers. C'est un hexagone en diagonale. C'est des hexagones en diagonale. Et dedans, il y a une Pokéball. Voilà, le signe d'une Pokéball. Donc, c'est les toutes nouvelles rivers. Et je crois que ces rivers-là sont exclusives à Fable Nébuleuse. D'accord, on aura... ça revient plus. Je ne crois pas. On verra bien avec EV7, mais je ne crois pas. Démolos. Et Ursa King. Noctunoir. Eh ben, premier booster, avide. Booster suivant. Nounourson. Petit nounourson. Statitique. Persian. Incisache. Mushi. Il est dégueulasse, hein, la carte est dégueulasse. Hein, la 3D est immonde. Nostanfer. Il y a l'air d'avoir beaucoup de Pokémon ténèbres. Ouais. Ah oui, c'est ténèbres, poison, c'est tout ce qu'il faut. Fable Nébuleuse, hein, c'est très très sombre. De toute façon, ça se voit au coffret déjà. Hein. Skelenox. Allez, deuxième reverse. Nostanfer. Et on commence avec un petit hit. C'est une ex, Sophie. Et Fortissimia. Fortissimia, ex, très bien. Allez, premier ex qui tombe et regarde ce que t'as dans les mains. Oui. Voilà, une énergie, les nouvelles énergies
Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est exactement finalement comme les Reverse. Voilà, c'est des hexagones en diagonale et ça forme les nouvelles énergies. Allez, troisième booster et on commence par Hypocéan. Hypocéan. Et Flèche. Skelenox. Skelenox. Qui sera pas mal joué, ouais. Ah, Yveltal. Je l'aime bien ce Pokémon. Yveltal est très stylé. Sablier du pouvoir. Genesec. Qui risque d'être joué aussi, on a qui risque d'être joué. Premier reverse, Malos. On a eu des Molos, on a Malos, c'est très très bien. Deuxième, toujours une reverse Yveltal. Et troisième, c'est une holo. Et c'est Tokotoro. Pas très belle cette holo là. Ouais, non, ça fait fou. Allez. J'ai hâte d'avoir son air, elle est belle en plus. Ouais, ouais, elle est dans cette série en plus. Même des Molos, hein, je crois, ou Persian. Oui, des Molos et Persian en plus. Quatox. Quand il y a un quoi qui est Protox. Yveltal. Sivir Nocturne. Allez, premier reverse. Statistique. Oh, allez, une AR dans ce coffret. Ça fait du bien. Tu allez, penses Zoro, à qui? J'aimerais trop. Zorua. Comment Zoruark? Ouais. Ok. Allez. Eh bah tiens. Eh ben voilà. Nice. Allez. Allez. Ah non, c'est Zoruya, c'est pas son évolution. Oui, d'accord, d'accord. Non, je pensais qu'il avait aussi son évolution. Eh ben voilà, elle est contente celle-là. Elle est grave belle. Eh ben on est content les amis. Une AR, une ex tombée dans ce coffret de 4 boosters. Honnêtement, c'est plutôt pas trop dégueu. Alors, Ursa King et Classico. Allez, on est parti pour le coffret suivant. Let's go. On est parti avec la toute première alternative du coffret Hyporoi X. C'est quand même plutôt magnifique. Et Sophie qui trouve effectivement que ça match très bien avec le Magikarp de évolution de Paldea. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, il faudrait les mettre l'un à côté de l'autre. Elle est magnifique. Je pense qu'elle remonte... c'est un clin d'œil à la vague hein, de Kanagawa, c'est ça? Et franchement, elle est super belle. Elle est vraiment, vraiment, vraiment super belle. Elle n'est pas sortie au Japon. On ne sait pas sous quelle forme elle sortira au Japon, un deck ou autre. Mais il me semble qu'elle n'existe encore pas au Japon. Alors, allez. Hypocéan. Elle est très mal cadrée. Hein. Sachez quand même qu'elle est très mal cadrée. Et ça, c'est bien dommage. Hypocéan en Cosmos. Et la deuxième, évidemment, c'est Hippotrempe, hein, sa sous-évolution. Donc, ça, c'est pareil. Si vous voulez ces cartes-là, le seul moyen de les avoir, c'est d'acheter le coffret Hyporoi X. C'est, je pense, des coffrets qui vont prendre un petit peu avec le temps, étant donné que les derniers coffrets qu'on a eus, ça remonte à un an et demi, deux ans. Bon, maintenant que vous commencez à connaître... Cradopo. Nosferalto. Coupenot. Malos. Moshi de servitude. Moshi qui est vraiment moche. Megavolt. Qui sera une des stars Archidé. De V7, je le rappelle. Allez, première reverse. Art secret de Janine. Deuxième. Putain, une petite alternative, ça me ferait plaisir, Soso. Deuxième, c'est Quatox. Et troisième, une holo. Par contre, elle est plutôt cool. Honnêtement, elle est plutôt cool. Et l'effet à la caméra est vraiment, vraiment sympa. Peut-être une holo. Malheureusement, pas d'énergie holo. Evoli, qui a encore une carte, évidemment. Il commence à avoir beaucoup de cartes, Evoli, là, dernièrement. Elle est belle en même temps. Nosferapti. Malos, Académie de Nuit, ah, Kyurem, qu'on peut mettre de côté pour nous, Sivir Nocturne, allez, première reverse, Soporifique, deuxième reverse, Megavolt, troisième, oh, Félix. Un petit, c'est... Eh bah tiens, Félicanis. Félicanis, ex, super, on commence à les avoir toutes les ex, ah, oh, énergie haut holographique. J'aime beaucoup ces holos, ça change. On va les garder, hein. Terraclope. Chelours. Il a la meilleure AR, hein. Elle est incroyable. Hein. J'espère trop qu'on va avoir son AR. Hein. Parfuré. Zoruya. Dimoré. Moré. Megavolt. Nymphali. Allez, première reverse. Evoli. Oh, je crois que t'es une AR. Pas du tout. Kyurem Reverse, trop cool ça! Oh, encore un hit! Et c'est une Terra Crystal! Il faut le lâcher, s'il vous plaît, ce moteur! On n'en peut plus, on n'en peut plus de ces Pokémon moteurs! Ah, oh! Une psy à l'envers, c'est peut-être un signe! Psy, ça a voulu rentrer dans notre cerveau, ça nous a retourné le crâne! Allez, on repart sur du
Incisage. Skelenox. C'est pas Incisage? Incisage. T'as dit Zache. Ah bon? C'est pas grave, non, mais je demandais parce que je n'étais pas sûr. Et cette carte, Sepiatops, Kyurem. Ouais. Académie de nuit. Dimoré. Moré. Première reverse. Brombi. Deuxième reverse, toujours Megavolt qu'on a eu tout à l'heure. Et Lolo Tokotoro qu'on a aussi déjà eu. On est parti pour le dernier booster. Et justement, on a oublié d'expliquer combien il y avait de cartes dans cette collection. Alors, on va commencer par Crapado et on a 64 cartes. Voilà, c'est une collection, c'est un set très petit, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'on voit très souvent les mêmes cartes. 64 cartes seulement, c'est vraiment très court, mais il y a pas mal de secrets quand même. Et je rappelle que c'est un 1.5, hein. Voilà pourquoi c'est un petit set. Première fois aussi, il y a un machination. Ouais. Donc il va falloir s'accrocher, hein, pour avoir les alternatives. Il n'y a que 4 alternatives, me semble-t-il. Un dresseur et 3 Pokémon. Ah, j'ai cru que c'était une full art. Waouh! Allez, on est parti pour le tout dernier coffret. Pour l'instant, c'est pas trop dégueu. Il y a du hit, il y a un peu de hit. Voilà. Ouais. On a eu une AR par coffret. Hein. Voilà sûrement la carte la plus belle de Fable Nébuleuse, évidemment, qui nous est offerte encore une fois dans un coffret. À l'image de Hyporoi X, c'est un coffret cette fois-ci. En fin de vie. X, évidemment. Non terra cristallisé. Et là, bon, là, la carte, elle est magnifique. Elle parle d'elle-même. De toute façon, vous la voyez en 4K60! C'est typique, honnêtement, Ninja, Naruto. Ouais, bah oui, non mais... C'est un style très japonais, c'est un style très shinobi, en même temps c'est amphinobi, donc voilà. Et la carte est juste magnifique, c'est une alternative, et elle est juste sublime. Voilà, une des plus belles alternatives offertes très récemment, donc ces deux coffrets valent le coup, même si vous avez rien, c'est vraiment une très belle carte. Je rigole parce qu'elle me fait rire, cette carte. Il est déter. Et Grenousse, qui est mignonne, qui est très très belle. Grenousse qui est très sympa. On dirait qu'il a des petites lunettes. Grenousse, hein? Ouais, il te regarde de droit. Il est très... Il est tout mimes. Il est tout mimes. Alors, à savoir que c'est de l'écume, évidemment, et après, c'est sa langue, voilà, qui lui sert d'écharpe. Let's go, let's go, let's go. Premier booster. Bon, on y croit, Sopio, c'est 5 boosters. Ouais. C'est les 5 derniers boosters de cette vidéo. Zorua. D'ailleurs, t'as eu son air, tu la voulais, ça tombe très bien. Charibari. Skelenox. Moi je veux ces 3 R là, Skelenox, Noctunoir et tout. Hein. Mophi. Parce qu'en plus c'est très très joué, ça va être joué. Nostamper. Art secret. Allez, première reverse, art secret. Deuxième. Oh. Une AR Persian. Persian qui est magnifique. On dirait qu'il est même dans les bureaux de Giovanni. Bon, je pense. Donc, oui. Magnifique. Et regarde la vue de haut, tel le roi qu'il est et qu'il pense être. Persian, très content de l'avoir, je la voulais la Persian. Bon, c'est rassurant, le compteur commence à monter et être agréable, évidemment. Allez, on est parti. Evoli. Oh, il est gonflable, ok. Je rappelle que c'est la holo de celle-là hein, qu'on a, hein. C'est les holos de la Nos classique sphère, en fait. Sablier du pouvoir. Mochi. Première, ah non, pas encore. C'est elle est belle, elle, quand même, en vrai. Première reverse. Kelenox. Deuxième reverse, Nosferalto, et c'est une holo, toujours pas encore de full art pour l'instant, toujours pas de dresseur, toujours pas de Pokémon full art, toujours pas d'alternative, allez, et on part sur Zorue, voilà, Charibari, c'est la première fois qu'on l'a lui, non? Charibari? Ouais. Non, c'est pour moi 3 fois, Skelenox, et voilà, je crois qu'on les a tous eu, hein. Coupenote, elle est très mignonne la Coupenote, ouais. Machination. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de... Sepiatros. Il y a bien des high-tech, hein. Oui. Non, Fali. Soporifique. Oh putain, j'ai cru que t'avais quelque chose. Ouais, là aussi. Eh non. Tokotoro. Tokotoro. Ah. La Tokotoro va nous saouler, je pense, hein, avec le temps. Hein. Métal, on l'a déjà eu, la métal. Ah non, on l'a pas eu. Ouais, non, pas encore. Eh ben nice, il manque plus que l'électrique et la feu. Et on les aura toutes. Allez. Il nous reste 2 boosters, on n'a toujours pas eu d'high-tech, on n'a toujours pas eu de full art. Et encore moins, évidemment, d'alternatives, c'est embêtant, mais bon, on y croit, on est solide sur les appuis. Miaous. La première fois qu'on l'a. Noé la guéguerre. Kradoko. Nosferatu. Coupenote. Moré. Moré.
Megabolt. J'adore cette blague. C'est une blague infinie. Moi, ça me fait penser au fromage. Non, Fanny, Saint-Mauré. Ah. Allez, Miaouf, oh, Miaouf River, c'est très très cool. Oh, ça y est, une alternative saut. Une alt. Soso, ah ouais. T'es contente ou t'es oh, pas putain, contente? T'as nice, pas l'air contente? Ouais. Bah non, parce que je pensais que c'était une cristallisation. Non, t'as pas l'air contente. T'es contente ou t'es pas contente? Bah si, grave. T'es contente, oh, ou c'est t'es... une dresseuse. Ou un dresseur. Y'a qu'un dresseur. Et bah c'est un dresseur. T'es prêt? Vas-y. Oh putain. Oh non, ah, la fête! Tiens, tu vois, j'avais été. Elle a détruit mon rêve! Elle a détruit mon j'étais rêve! J'étais sûr que c'était une cristallisée, c'est pour ça que elle pas... a détruit mon rêve, j'y croyais! Bah, j'y croyais! Non. Oh non, ce moteur! Ce moteur! Mais le moteur! J'y croyais trop! Les gars, vu qu'en fait les deux rivers s'étaient collés, faut savoir que c'est forcément une alternative si c'est à la place de la deuxième rivers. Mais c'était à la place de la deuxième rivers. Mais vu que c'est Sophie qui fait le tri et qui a pas fait gaffe, eh ben on est tombé sur le moteur quoi. Non, il y en a que deux. Non mais non, c'est, ouais. C'est une seule. Une seule. Seule. Ouais. Au moins là. Mais ah, je suis dégoûté. Allez. Allez, on est parti. Coupe de note. Coupe de note. Oh là. Mal au... Ouais, j'ai eu du mal. Soporifique. Oh, Absol, première. Première fois, oui. Ouais, mythe de fer. On l'a déjà eu, mythe de fer aussi. Les machinations de Xandre. Allez, première reverse. Oh, Evoli. Evoli reverse, c'est très très cool. Deuxième reverse. Ah, on l'avait pas. Ramp L. Et c'est la première tout, fois, ouais. C'est un temps passé. Et une holo, Noctunoir. Oh, bien, oh, on l'avait pas. Électrique. Il manque plus que la feu. Feu et feuille. Sophie. Ah, et ténèbres. Et ténèbres, donc oh, il nous en manque. Oui, il nous en manque pas mal. Il nous en manque pas mal. En termes d'énergie, alors c'est plutôt cool, c'est le hasard qui fait ça. Hein. Ouais, aucune énergie différent. Identique, donc toutes les énergies holo différentes. Et on va vous montrer évidemment en dézoomant, mais quand même, deux alternatives donc, qui sont offertes avec leur cosmos. Voilà. Ça, c'est les coffrets. Donc une AR, deux alternatives. Tout ça, c'est offert, c'est dans les coffrets. Avec toutes celles de base, évidemment. C'est un tout petit peu plus moche, mais voilà ce que nous avons eu en trois coffrets. Trois coffrets, attends, parce qu'un coffret, c'est 54 euros. Hein. Ouais. Ça, j'ai oublié de le dire avec l'alternative. Hein. Donc là, il y a eu 130 balles de dépensées dans cette vidéo. 130 balles pour 6 cartes. Et ben heureusement, Miss Big Girl qui a les promos. Hein. Parce que ouais. 130 balles, t'as un moteur en terra cristallisé full art. Bon, deux airs magnifiques, ça y a rien à dire sur les airs. Deux simples ex et une extra cristallisée d'un putain de moteur, ça fout un petit peu les boules. Bon, en même temps, voilà, faut les avoir si tu fais le set. Faut les avoir, mais on ça se fout dit, quand même on un a peu pas les eu de boules. Double, on a quand même eu de la chance, on aurait pu avoir des doubles. Hein. Je suis d'accord, mais ça fout quand même un peu les boules. Voilà, ah quand non, tu mais... sais que là, il y a 150 balles, sans les, heureusement, il y a les promos qui font le prix, parce que vraiment, sinon, les gars, c'est assez compliqué d'ouvrir que ça. Allez, on vous fait des bisous, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos vidéos. À bientôt tout le monde. Kiss, love, ciao. Peace, prenez soin de vous. Bye bye.